Anne. Bonjour tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Et moi? Et Marie? On espère que ça va bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui à part des grimaces? On va jouer à Fiche et tout. Tout à fait. On va tester ce jeu avec un renard et plein de poules. J'ai l'impression que c'est un jeu rigolo. Oui. Oui. En fait, il faut que le renard perde son pantalon. Oh là là, ça a l'air de te plaire comme histoire. Hein. Je pense que ça va être très amusant. Est-ce que tu es prêt à jouer à Filou Chiptou? Oui. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Le renard. Le voilà. Le beau renard. Il est grand, dis donc. Waouh. Et la notice. La règle du jeu, c'est pour maman, comme d'habitude. Et tu dois avoir des poules aussi, je pense, dans ta boîte. Attends, hop. On va défaire Filou Chiptou. Ah, je les ai trouvées, les poules. Ah, voilà toutes ces petites poules. Il faut les construire. Oui. Et les poulaillers. Les poulaillers et les autocollants. Oui. On installe tout ça? Oui, en fait, les autocollants, ça va sur le caleçon du renard. Oh là là, on va coller des autocollants sur le caleçon. Eh bien, c'est parti, on va faire tout ça. Ça y est, on a installé Filou Chiptou. On a collé les autocollants. Qui est-ce qui a collé les autocollants sur le renard? Moi. Tout à fait, je tiens à le dire quand même parce que c'est super bien fait. Swan s'est très très bien débrouillé. Alors, il a aussi installé les petites poules, comme vous le voyez, dans les poches du renard. Ce sont les fameuses poules qu'il va falloir récupérer et sauver pour ne pas que le renard les croque. Ben oui, bien sûr. Alors, on nous explique dans la règle du jeu. Tu écoutes bien, Swan, hein? Oui. À la nuit tombée, Filou Chiptou s'approche du poulailler dans le but de faire main basse sur les poules endormies. Tu te rends compte, il veut manger les poules? Mais pas d'inquiétude, car il est tellement maladroit qu'il se prend souvent les pieds dans son pantalon. C'est bizarre ça, hein? Alors le but du jeu, c'est d'être le premier à avoir sauvé combien de poules? 5! Tout à fait, dans son poulailler. Il y a 4 poulaillers, donc on peut jouer jusqu'à 4 joueurs. Et le gagnant, c'est le premier qui aura mis ses 5 poules dans son poulailler. Comment on joue alors à Filou Chiptou? Avec le dé, ou alors ce dé. Oui. Et puis on alors, on tombe sur soit 1, soit 2. Voilà, et ça, ça nous indique le nombre de poules qu'on va mettre dans les poches du pantalon du renard. Et à chaque fois qu'on met des poules, on appuie où ça? Sur la tête du renard. Vas-y, pour voir, ça doit faire clic. Et voilà. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Au bout d'un moment, toutes les poules sont par terre. Et là, il faut se dépêcher. Il faut récupérer le plus de poules possible avec une seule main. Avec une seule main. Oui, c'est dur, hein? Avec une seule main. Et le premier qui a mis les 5 poules dans son poulailler crie... Poule sauvée! Voilà, et là, c'est le grand gagnant. Tu as tout compris, petit cœur? Oui. Tu es prêt à jouer? Oui. Allez, c'est parti. On joue à Filou Chiptou. Je vous montre Filou Chiptou de plus près. Regardez comme il est beau. Il a un air coquin quand même, hein? On sent qu'il a bien envie de se remplir les poches avec les poulettes, hein? Et ça, c'est une petite poulette. Voilà ce qu'on va mettre dans le pantalon de ce coquin de renard. On a choisi nos poulaillers. Donc, Swan, tu as choisi quelle couleur, toi? Violet. Voilà, et jaune pour maman. On a remis son pantalon à Filou Chiptou. On a fait un petit tas avec les poulettes. Mais je crois qu'on est prêt à jouer, non? Oui. C'est bon? Oui. Allez, c'est parti. Alors, on a décidé avec Swan que pour que ce soit un petit peu plus équilibré, Swan pourrait utiliser ses deux mains pour mettre les poulettes dans le poulailler et maman une seule main. Alors normalement c'est une seule main, hein, mais bon, c'est prévu pour jouer entre enfants. Donc quand on joue maman contre un enfant de 5 ans, forcément faut équilibrer un petit peu pour que ce soit plus rigolo. Ça te convient comme ça? Oui. Mais attention, je ne me laisse pas faire, hein, même avec une seule main. Hein. On met Filou Chiptou en position. C'est toi qui commence avec le dé? Oui. Allez, vas-y, petit cœur. 1. Donc là, tu peux mettre une poulette dans la poche du pantalon. Et on appuie une fois sur la tête. C'est bon. Oh, du coup, on a resserré le pantalon aussi. Allez, c'est au tour de maman. 1 pour maman. Attention, j'ajoute moi aussi une poulette dans la poche.
Je peux appuyer à ta place. Oh bah si tu veux. Attention. Une fois, c'est bon. Une petite poule. On la met dans la poche. Appuie une fois sur sa tête. Clic. C'est parfait. Allez, c'est au tour de maman. Une poule pour maman. Attention, attention, j'appuie. C'est bon. Je crois qu'il va pas tarder à perdre son pantalon quand même. Hein. Une. Allez, une poulette. Attention. C'est bon. Tu sais que tu peux en mettre de chaque côté, hein, parce que là, sinon toutes les poules vont aller dans le même sens. D'ailleurs, je pense qu'on va éloigner un peu la petite pioche, voilà, pour pas les mélanger. Allez, c'est au tour de maman. Maman, elle fait un encore. Allez. Je mets une poule de l'autre côté, moi. Attention. C'est bon. C'est ton tour. Un. Allez, une poule. Voilà. Là, ça va devenir sérieux, je crois. Oui. Attention. Faut que ça fasse clic, hein. Ouh. Ça tient encore, on se demande comment. Deux. Allez, deux poules. Je vais les mettre de ce côté-là. Hop. Hop. Attention! C'est bon, c'est bon! Allez, vite, 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 vite! Il faut mettre les poules! Moi, je n'ai droit qu'à une seule main. Swan a droit à deux mains. Top, 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 top! On a tout fait! Combien t'as de poules? 4! Moi aussi! Donc, pour l'instant, personne n'a gagné. On est égalité. Ça va se jouer au prochain tour. On lui remet son pantalon? Oui! Allez, on remet le pantalon. Alors les copains et les copines, je vous montre pour remettre le pantalon. On lui redresse les bras comme ça. On cherche en dessous. Voilà, il y a un petit fil. On tire et voilà le pantalon. Et on le rhabille ensuite, comment on a dit? Comme il était dans le chapeau de Dingo. Non, moi j'ai dit on le rhabille comme une poupée. Et voilà, il est prêt pour refaire une partie. On continue? Oui. Deux. Allez, deux petites poules là. On met deux poules dans les poches de ce filou. Une poule, deux poules, et on lui appuie une fois sur la tête. C'est bon, attention. Une poule pour maman, et j'appuie une fois. C'est bon. Allez, c'est à toi. Une poule. Deux poules, deux poules. Attention. Pour l'instant, tout va bien. Une poule pour maman aussi. Attention, voilà. C'est bon, pour l'instant il garde son pantalon. C'est à toi. Une poule encore. Devant. Allez. Si il perd son pantalon et que tu n'attrapes pas une seule poule et que moi j'en attrape une, c'est moi qui ai gagné. Oui, mais je ne vais pas me laisser faire, hein. T'inquiète pas. Je vais l'attraper la poule. Hein. Tu te souviens de ce qu'il faut crier? J'ai fait un. Oui, c'est bien. Allez, je mets ma poule, attention. C'est à toi. Deux poules là. Poule sauvée. J'ai perdu une poule. J'ai gagné la première partie. Mais j'avais perdu une poule. Sois bon joueur. On fait une autre partie. Oui, d'accord, mais qui c'est qui a gagné la première partie? Ah, quand même. C'est difficile de te le faire admettre, hein. Maman a gagné la première partie. Revanche? Oui. Qui c'est qui commence? Toi. Ah, c'est moi qui ai mieux fait la poule cette fois-ci? Oui. Non, j'ai pas fait la poule, mais... Tu veux que je fasse la poule? Oui. Cote, 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 cote. C'est bon? Oui. Allez, j'ai gagné le droit de commencer. Deux. Deux pour maman, je mets donc deux poulettes dans la poche de Filou Chiptou. On est donc sur la deuxième partie. Et là, Swan essaye de gagner à son tour. Attention, c'est moi qui fais. Attention. Ah bah si tu veux. Allez, vas-y petit cœur, c'est à toi. Attention, vas-y. Un pour Swan. Ah, ça n'a pas fait clic. Voilà, c'est bon. Et ton poulailler est à l'envers, petit cœur. Hein. Voilà, ça va être simple sinon de mettre les poules dedans. Deux poulettes pour maman. Une, deux poulettes. Attention, j'appuie. Clic. C'est ton tour. Deux. C'est bon. Une poulette pour maman.
Oui, vas-y. Une poule là. Eh bien, il faut d'abord mettre la poule avant d'appuyer sur la tête. Oui. Allez, allez. Oula, j'ai fait combien? Deux. Ah oui, deux poules là. Une. Et j'ai bientôt plus de place, hein. Deux. J'appuie. Ça tient toujours, hein. Allez, c'est à toi. Deux. Encore deux poules. Deux poules dans chaque poche, ça va. Ça va? Bon. Et voilà. C'était sûr. Allez, hop. Vite, vite, vite. Poule sauvée. Oh là 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 là. Bravo. Bravo. C'est vrai qu'avec deux mains, ça va plus vite quand même. Hein. Bravo, moi je n'avais que 4 poulettes. Ouh, je n'en ai sauvé que 4. Et Swan a sauvé les 5 poulettes. C'est bon, tu as gagné. C'est bien petit cœur. Donc là nous terminons ce jeu à égalité. Une partie chacun. Oui. Ça te convient comme ça? Une dernière partie. Ah, une dernière partie? Oui. Ah, tu veux essayer de gagner en fait, hein? Oui. C'est ça? Et la partie du gagnant, du vrai gagnant. D'accord. Troisième et dernière alors, hein? Oui. Ok, allez une petite dernière petit cœur. Troisième et dernière partie, Swan est plein d'espoir pour ce troisième round. T'es prêt? Oui. Allez, vas-y, petit cœur. Cette fois, on va dire que c'est toi qui commence. D'accord? D'accord. Tu nous fais une poule quand même une dernière fois? Quatre, 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 quatre. Oui, c'est bon. Allez, tu peux commencer. Ah! C'est bon. Allez, une petite poule dans le pantalon de ce filou. Et c'est au tour de maman. Deux poules pour maman. Ah ah, ça se précise. Une, deux. C'est bon. Allez, c'est à toi. Une. Là, ce sont les poules de moi et là, ce sont tes poules. On va voir. On va voir. Peut-être bien que je vais aller prendre tes poules aussi si je n'en ai pas assez. Hein. Allez, deux pour maman. Un, deux. Attention, j'appuie. C'est bon. Allez, c'est ton tour. Une poule pour Swan. Et on lui appuie sur la tête. Hop là. Allez, c'est au tour de maman. Et maman, elle fait un. Une poule là. Attention. C'est bon. Vas-y, petit cœur. Une. Une poule là. Ah, faut que ça fasse clic, hein. Vite. Oh, il y en a une par terre. Oh, j'ai que 4. Poule sauvée. Oh là 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 là, forcément, il n'y avait que 9 poules. 5 pour toi et 4 pour maman. C'est une victoire pour Swan. D'accord, je m'incline. Bravo petit cœur. Tu es content? Oui. Oui. Swan, on lui apprend à être bon joueur, mais quand même... Il préfère quand il gagne, hein, ça, c'est certain. Alors, comment tu as trouvé ce jeu Filouchitou? Très très bien. Ça t'a plu? Oui. J'ai trouvé ça trop rigolo quand il se retrouve en caleçon avec les petites poules sur le caleçon et qu'il y a les poulettes partout sur la table. J'ai trouvé ça trop drôle. Et Robin, quel moment vous avez préféré? Dites-nous dans les commentaires. Pensez au pouce bleu et surtout abonnez-vous. À bientôt, mes copines. Bye bye. À bientôt les copains et les copines. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la partager. On vous fait plein de gros bisous. Et on vous adore. Bye bye tout le monde. Bisous bisous. Caché. Coucou.